Ok, alors on va terminer notre tournée sur les créneaux les plus pourris de l'emploi du temps aujourd'hui avec les virus des plantes qui méritent au moins un cours à eux tout seuls parce que même si sur le plan moléculaire il y a pas mal de choses qui sont communes avec. Stratégie de réplication chez les virus des plantes et chez les virus des animaux, à cause de leur adaptation à différents types de cellules hôtes et à différents types d'organismes hôtes, il y a certaines choses que l'on trouve chez les virus des plantes que l'on ne retrouve absolument pas chez les virus des animaux. Et donc, c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu comment ils font pour fonctionner. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va regarder un petit peu quel type de virus on trouve chez les plantes. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on va trouver chez les animaux. Et on va essayer de comprendre comment les virus des plantes règlent certains problèmes qui sont spécifiques à leur type d'organisme hôte. Donc, le mécanisme d'entrée, ça va être très différent chez les virus des plantes par rapport aux virus des animaux. Et il y aura deux mécanismes de transmission distincts lors d'une infection chez la plante. Transmission locale de cellule à cellule via les plasmodèses et dissémination, donc une infection systémique via le système vasculaire de la plante. Donc en termes de mécanisme, là, je ne vais pas dire pas grand-chose sur la dissémination dans le système vasculaire. Seule chose à dire vraiment, c'est normalement, il faut la protéine des capsides chez les virus de plantes pour la dissémination systémique. Alors, donc on va regarder ça. Puis ensuite, on va regarder de plus près la stratégie de réplication chez deux virus à ARN et un virus à ADN chez les plantes. Et on va terminer avec une considération sur quelques bizarreries que l'on retrouve uniquement chez les virus des plantes et absolument pas chez les virus des animaux. Alors, première chose, donc taxonomie, type de virus que l'on trouve chez les plantes. Donc, si vous vous souvenez, cette diapo est censée représenter la diversité du monde viral en fonction du type du génome dans le classement de Baltimore, de classe dans le classement de Baltimore. Donc, un, c'est les virus ADN double brin, ADN simple brin, ARN double brin, ARN brin plus, brin moins, etc. Donc, ça, c'est pour le monde viral globalement, toute famille de virus confondus, animal, plante. Et la taille de la police est corrélé avec le nombre de familles distinctes de virus dans chaque classe. Alors, chez les plantes, c'est ça. On a totale absence de virus ADN double brin chez les plantes. Vraiment, le monde viral chez les plantes est dominé par les virus ARN brin plus. Donc, pour la grande majorité des virus des plantes, on aura un cycle de réplication qui a eu lieu dans le cytoplasme avec l'ARN génomique qui se fait passer pour un ARN messager. Donc ça va être vrai pour l'immense majorité des virus des plantes. Donc il y a quelques virus ARN double brin qui réussissent à se répliquer chez les plantes. Les rhéovirus, donc ça ce sont des virus qui, ma foi, ont grande étendue de spécificité de l'hôte. Donc, il y a des rhéovirus qui infectent des insectes, les vertébrés et les plantes. Pareil pour les rhabdovirus, virus de la rage, c'est un rhabdovirus. Il y en a qui infectent vertébrés, invertébrés et les plantes. Et donc, pour ceux-là aussi, les bunyavirus, ARN brin moins, ce sont des virus transmis par des insectes chez les plantes et chez les mammifères. Donc, quelque part, on a l'impression pour le rhéovirus, bunyavirus, rhabdovirus, que, en gros, ce sont des familles de virus qui
infectent des insectes et petit à petit, ils finissent par s'adapter à un deuxième hôte que les insectes vont piquer quelque part. Donc, ils provoquent des infections via leur transmission à la plante. Par contre, les partitivirus, c'est une famille de virus spécifique aux plantes. Alors, d'autres choses spécifiques chez les plantes, ce sont les colimovirus. Donc, ce sont des virus un peu, enfin, pas vraiment comme le virus de l'hépatite B, mais leur cycle de réplication, c'est comme ça. Le génome est en ADN, mais il passe par un intermédiaire en ARN. C'est un virus à rétrotranscription. Et le seul type de virus avec un génome en ADN qui infecte qui infecte des plantes, ce sont les géminiviridés. Petit virus à ADN, brun plus. Non, qu'est-ce que quand? Simple brun. ADN simple brun. Donc, première question, c'était les étapes de. Ah oui, autre chose que j'ai oublié. Et en plus des virus, on trouve certaines formes de ADN, mais la plupart du temps ARN génomique, qui est capable de se répliquer chez les plantes, qui sont les satellites et les viroïdes, que l'on ne trouve absolument pas chez les animaux. Donc on terminera le cours avec un focus sur ces deux types de hôtes de réplicateurs qui parasitent les plantes. Alors, donc pour les étapes de cycle de réplication qui sont très différentes chez les plantes par rapport aux animaux, c'est des choses qu'il faut connaître, c'est que pour les virus des plantes, il n'y a pas vraiment d'entrée efficace tout seul par la particule virale. Ce qui fait que, deux choses, d'une part, l'entrée est très fréquemment dépendante des vecteurs, soit des insectes, qui vont, soit, si ce sont des insectes qui vont sucer la sève, en même temps qu'ils vont percer l'extérieur de la plante, vont commencer à aspirer la sève, mais en même temps, ils vont introduire des particules virales dans la vasculature de la plante. Ou alors, ce sont des insectes qui vont juste, qui sont en phytophage, ils vont mâcher l'extérieur de la plante, ils vont abîmer les cellules à la surface, et un petit peu dans la salive de l'insecte, il va y avoir des particules virales qui vont pouvoir infecter des cellules dans la zone qui était abîmée. Donc ça, c'est vrai pour beaucoup de virus des plantes. D'autres virus sont transmis par les vecteurs qui sont des moisissures. Donc, notamment les moisissures qui sont phytopathogènes pour les plantes vont émettre des filaments qui vont envahir les tissus de la plante et certains de ces moisissures vont être des vecteurs pour les particules virales. Donc, quand le leaf, le filament, la moisissure pénètre les tissus de la plante, bah, elle va transporter avec elle les particules virales. Alors, pour certains virus des plantes, il n'y a pas de vecteur. Dans ce cas-là, on a une transmission verticale. Donc, les pollens vont transporter également des particules virales. Et donc, le virus déjà à la graine de la prochaine génération des plantes. Ça, c'est le cas pour les partitivirus, transmission verticale. Et d'autres choses très importantes, les pratiques agricoles. Donc, boutures, des choses comme ça, ou même des fois le fait de mettre beaucoup de plantes en proximité et les manipuler. Donc, le virus de mosaïque du tabac, premier virus des plantes connu, découvert, il n'y a pas de vecteur. Mais c'est simplement le fait de manipuler les plantes. S'il y a des feuilles qui sont infectées, l'agriculteur, il va. Peut-être les frotter, les manipuler. Il va faire la même chose sur la plante suivante. Et du coup, bon, bah,
transmettre du matériel infectieux d'une plante à l'autre. Donc, transmission par pratique agricole. Alors, quelques exemples de virus des plantes et leurs vecteurs. Virus, vecteur, plante hôte. Alors, deux ou trois trucs à dire sur cette diapo. La première, c'est pour les noms des plantes. Okay, à chaque fois, on a un truc qui finit avec V, virus, ou VD, ça va être pour les viroïdes. Ou SAT pour les satellites. Ensuite, le début, ça va être la plante hôte qui est infectée. Et le milieu, c'est quelque chose qui décrit les symptômes. Donc, barley, yellow mosaic virus. Okay, barley, c'est de l'orge. TSWV, tomato spotted wilt virus, okay, tomate. Et quelque chose à voir avec les symptômes. M, maïs. K, c'est pour cassava ou le manioc en français. Et T, pareil, ça va être tomate. Mais cette fois-ci, des virus qui donnent des symptômes différents. Yellow leaf curl virus. Okay. Donc, on a identifié différentes phytopathologies transmissibles, définies par tel ou tel symptôme chez la plante. Et ensuite, on y a identifié le virus qui était responsable de ces symptômes. Donc, les noms des virus des plantes, c'est toujours comme ça. OK. Donc, dans certains cas, la spécificité de l'hôte est très étroite. C'est-à-dire, un virus des plantes va infecter une espèce hôte et c'est tout. Donc, c'est le cas ici, le TYLCV va infecter que les tomates. Le MSV va infecter que les maïs. Mais dans d'autres cas, certains virus des plantes vont avoir une étendue de l'hôte extrêmement large. Okay, le TSWV peut affecter des tomates, tout un tas de plantes ornementales cultivées sous serre, tout un tas de plantes sauvages qui poussent tout autour. Et ça va être un grand problème pour le contrôle. Alors, l'étendue géographique de là où ces virus posent un problème, ça peut être lié aux zones de culture de la plante elle-même. Donc, c'est le cas pour le BAYMV. Donc, c'est un problème pour la culture de l'orge, donc partout où l'hôte est cultivé. Donc, c'est un problème de l'hémisphère nord. Pour d'autres, le problème est limité par les zones où on trouve le vecteur. Donc le maïs, là, le virus MSV, est un problème pour la culture de maïs en Afrique, mais pas en Europe, parce que le vecteur, il ne peut pas survivre dans les zones tempérées. D'accord ? Donc on a si jamais ce virus pouvait se faire transmettre par un insecte qui vit ici, on aurait le même problème en France. Donc du coup, les zones et les pays touchés par tel ou tel virus des plantes, souvent c'est très lié à la dissémination du vecteur. Donc, le TSWV est devenu un problème mondial à cause de la dissémination de son vecteur. Le Franklinella, et d'ailleurs, je pense qu'il peut pousser sur plusieurs vecteurs, mais c'est le principal. Pareil pour ces deux virus-là, les pays qui sont touchés, ça dépend un petit peu de la transmission de l'insecte. Et ça, c'est parce qu'avec les imports, les exports, avec les produits, avec les plantes, des fois, avec les plantes coupées, on a un petit peu des insectes qui sont transportés avec. Donc, dans les containers, on peut avoir des insectes qui sont transportés et qui arrivent dans un autre pays. Et ça, c'est
Et ces insectes, les plantes infectées vont amener les virus avec eux. Alors, donc c'est une problématique un peu différente par rapport à des virus humains, okay? Parce que souvent, les transmissions de virus humains sont liées à la transplantation des individus. Et plus on a des gens qui bougent, plus on peut être exposé à des virus exotiques. Ceci dit, cette histoire de vecteurs qui survivent que dans des zones tropicales, ça, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de virus de la dengue en France, on n'a pas de chikungunya, on n'aura pas de Zika parce que ou de fièvre jaune, c'est parce que bah, les moustiques qui les transmettent survivent que dans des zones tropicales. Donc ça, c'est un parallèle qui peut être fait entre les virus des plantes et les arbovirus qui infectent les animaux. Un autre parallèle que l'on peut faire avec les virus très phytopathogènes et les virus hautement pathogènes chez l'homme, par exemple, c'est quoi? Je vais vous donner une indication là. La MSV, c'est un problème en Afrique. Le virus vient vraisemblablement d'une infection chez d'autres monocotes sauvages en Afrique. Le maïs, il vient d'où? La culture du maïs, ça vient d'où à l'origine? Oui. Donc on a une espèce qui est transporté sur un autre continent, du coup, il devient, on met en contact une nouvelle espèce pour les virus qui sont en train de circuler sur le continent africain. Donc, on a l'adaptation d'un virus à un nouvel hôte, un hôte neuf. Et donc, c'est comme ça, on a vu avec la rage, l'Ebola et tout ça, les virus hautement pathogènes, c'est souvent ça. C'est lié à l'interaction, à une nouvelle interaction hôte pathogène. Et c'est un peu ça ici, pareil. Pareil pour le manioc, ça c'est pas une plante indigène africaine, je crois. Les SVA là, vous pouvez confirmer? Et je pense que c'est aussi un cas où c'est une plante cultivée initialement en Amérique du Sud, qui ensuite était. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah pareil, on a la transmission de la plante à une autre zone, et puis il rentre en contact avec des virus qui circulent à ce moment-là. Et pareil pour le TSWV, tomate, Amérique du Sud, et on commençait à voir les problèmes, pas en Amérique du Sud pour cette plante-là, pour le virus. Okay, donc les phytopathologies ont vu le jour, pas vraiment dans les pays d'origine de ces espèces hôtes. C'est quand on a commencé à les cultiver ailleurs, et ces plantes hôtes ont rencontré les virus qui circulaient dans différents pays. Donc, il y a un petit parallèle là entre les virus hautement phytopathogènes qui provoquent des problèmes et les virus hautement pathogènes chez les animaux. OK. Donc, entrée du virus dans la cellule hôte, souvent liée au vecteur. On aura, OK, réplication de l'ARN génomique dans la plupart des cas dans le cytosol, production de protéines virales. La prochaine étape pour un virus des plantes, c'est la transmission locale. C'est la transmission des ARN viraux à travers les plasmodèmes jusqu'à la cellule voisine. Or, des ARN génomiques des virus des plantes, 4, 5, jusqu'à 9, 10 kilobases de longueur, tout seul, ils ne vont pas pouvoir passer par les plasmodèmes. Donc, tout virus des plantes a besoin d'exprimer une protéine de mouvement qui est capable d'effectuer ce transport de cellule à cellule. Et on a deux types de cellules de mouvement, protéines de mouvement. Par exemple, la protéine P30 exprimée par le virus de mosaïque de tabac et la plupart des virus ARN brun plus. La protéine de mouvement
va se fixer sur l'ARN génomique et permettra son transport à travers les plasmodesmes. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de modification morphologique que l'on peut voir en microscopie électronique à la structure des plasmodesmes. Alors l'autre cas de figure, ce sont des protéines de mouvement qui vont modifier la structure des plasmodesmes de façon à permettre le transport des capsides virales entières. Donc ça, c'est le cas pour certains virus ARN brun plus, mais les ARN brun, les virus ARN brun moins. Parce que là, ok, le TSWV, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les virus ARN brun moins, et ça, ça va être une cellule infectée par le TSWV, ARN brun moins. Qu'est-ce qu'on se souvient, on se souvient de quoi pour l'implication du virus ARN brun moins? Ils ne sont pas vraiment là en présence d'ARN nu. Okay, ils sont toujours associés avec la nucléocapside. Donc en fait, on a une structure hélicoïdale avec la nucléocapside et l'ARN autour. Et dans ce cas-là, ici, on aura deux destins ou possibilités pour les nucléocapsides. Soit on va avoir formation d'une particule bourgeonnée à la membrane plasmique, et c'est ça qui va aller infecter le vecteur, l'insecte. Ou alors, on va avoir son transport via les plasmodesmes. Juste la nucléocapside, pas avec l'enveloppe. Les virus ARN brun moins sont tous nucléocapsides hélicoïdales, virus enveloppés. Mais chez les virus des plantes, le TSWV, c'est juste la nucléocapside qui va bouger, pas, juste, pas la particule entière enveloppée. Ok, donc les deuxièmes classes de protéines de mouvement permettent le transport de nucléocapsides. Oui, donc dernière chose à dire pour ça, donc on ne va pas parler de dissémination. Donc ça, si on a l'ARN plus une protéine de mouvement, on peut avoir normalement une infection locale. Okay, donc le virus va se répliquer dans une cellule et il va pouvoir toucher des cellules voisines. Donc ça, c'est un peu le parallèle avec les infections localisées, infections systémiques chez le virus, chez la pathologie animale. Donc pour une dissémination systémique, il faut, pour la plupart des virus des plantes, c'est des capsides entières qui vont passer dans le phloème, le système vasculaire de la plante, et infecter le reste de la plante. Et là, je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas, quel est le mécanisme d'entrée. Parce qu'on a démarré tout ça en disant, les virus des plantes ont besoin d'un vecteur pour rentrer dans la cellule hôte. Mais dans le cas de la dissémination systémique, ce n'est pas le cas. Donc la capside doit être capable de rentrer dans quelques cellules de la plante hôte. Et je ne sais pas quel est le mécanisme, justement. Ok, donc pour notre premier cas d'étude, réplication chez les virus des plantes avec un génome en ARN brun plus, c'est l'archi-classique, le grand classique virus de mosaïque du tabac. Système super simple, donc le génome. Ok. 6,5 kilobases d'ARN brun plus. Quand on regarde, on a 1, 2, 3, 4 cadres ouverts de lecture. C
5 primes coiffées, 3 primes pas à polya mais avec une structure secondaire. Et on voit ici le minimum pour un virus des plantes. On a protéine de capside qui va former la nucléocapside, protéine de mouvement qui va permettre la dissémination locale, et ORF1, ORF2 vont coder pour l'ARN polymérase dépendant de l'ARN. Donc ça, c'est le strict minimum pour un virus des plantes à ARN. Vous codez au moins pour ces trois choses-là. Ouais, petit côté historique là pour le virus de mosaïque des plantes, parce que c'était très important, parce que dans les années 1930, on a pu isoler le virus et chimiquement séparer l'ARN et la protéine et les remettre ensemble. Donc c'est avec ces types de manip que l'on a compris, ok, un virus c'est fabriqué en ARN et ou en acide nucléique et en protéine, il faut le mettre les deux ensemble pour que ce soit infectieux. Et aussi on a pu mélanger les protéines, l'ARN de différentes souches, et on voyait que le phénotype était dépendant de l'ARN qui était incorporé. Donc c'était une des premières manips dans les années 1930 pour indiquer que c'était des acides nucléiques, le matériel génétique, et pas les protéines. Donc, comment ça marche? Alors, l'entrée, pas de vecteur cette fois-ci, mais néanmoins par frottement, capsides virales ont accès au cytosol de la plante. Ce qui va se passer, c'est que le ribosome, la cellule hôte, va se fixer sur la partie 5' et va commencer à traduire l'ARN viral. Et en même temps, le ribosome va obliger les nucléocapsides de se détacher. Donc on a une décapsidation qui a lieu en même temps que la traduction de l'ARN polymérase. Ensuite, donc, on a l'ARN polymérase qui est produite, et du coup, cet ARN polymérase va se fixer sur l'extrémité 3'. Et donc, c'est l'ARN polymérase, lorsqu'il va commencer à transcrire une autre copie d'ARN génomique, qui va achever la décapsidation. Donc, on a, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'ai noté. Donc, on a l'ARN brun plus ARN génomique qui est recopié. On a un ARN brun moins de longueur intégrale. Et l'ARN brun moins sera transcrit soit en copie génomique, longueur taille intégrale, ou alors des ARN messagers spécifiques pour la protéine de mouvement ou protéine capside. Ok, donc l'organisation génomique, il doit être comme ça parce que sinon ça ne marche pas. Okay, les premières protéines traduites sont les ARN polymérases. Donc pour ces virus-là, ils doivent être là en région 5' de génome. Sinon, ces protéines-là ne seront jamais traduites. Donc, après, on a les copies d'ARN génomique qui sont répliquées. On a les protéines virales qui sont exprimées. Bon, une partie des ARN génomiques vont être captées par les protéines de mouvement, vont infecter des cellules à côté. Une autre partie vont interagir avec les protéines des capsides. Et sur le site PSI, et c'est ce qui va régénérer des particules virales. Alors, puisque l'on connaît super bien le cycle de réplication du virus de mosaïque de tabac, on a commencé à l'exploiter pour générer des vecteurs pour l'expression de protéines chez les plantes. Et donc, on a développé différents vecteurs d'expression qui permettent, ma foi, un très bon niveau d'expression de protéines. On peut avoir
0,1 jusqu'à 5 mg de protéines recombinantes par gramme de feuilles de plantes infectées. Donc, on a deux types de vecteurs ici. Ici, donc on a l'ARN polymérase, protéine de mouvement. Notre transgène est la protéine de capside. Ici, ARN polymérase, protéine de mouvement, GFP. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on peut inoculer les deux à la feuille. Donc, on prend. D'ailleurs, c'est agro-infection, donc c'est pas. Agro-infection, tout le monde sait ce que c'est? Attends, c'est pas la bactérie Agrobacterium tumefaciens qui va exprimer le plasmide qui sera transmis au tissu de la plante. Oui, je pense que c'est ça. Et donc, le plasmide TI va exprimer cet ARN. D'accord? Et à partir de l'expression de l'ARN, il peut se repliquer. Oui, c'est ça. Donc, ici, JL24, c'est celui-là. Turbo G, c'est celui-là. 5 jours post-infection, on a de la GFP dans les feuilles. 8 jours, 9 jours post-infection. Pour le turbo G, on a l'infection ou l'expression de la protéine recombinante qui reste limitée à la première feuille, tandis que sur le JL4, on a une infection systémique. Donc, transport des particules virales par le phloème et retransport par les ilèmes dans les autres feuilles. Okay, donc ça, c'est une démonstration que la protéine des capsides, c'est nécessaire pour la dissémination systémique de l'infection. Pour la dissémination locale, on n'a besoin que de la protéine de matrice. Okay. Donc, on a développé ces vecteurs, soit sur le virus basé sur le virus de mosaïque de tabac, soit sur d'autres virus ARN et des géminivirus, pour avoir une alternative pour l'expression de protéines recombinantes. L'idée, c'est que bon, à la fin, on va récupérer toutes les plantes dans la serre et faire l'extraction à partir de matériel de plantes. Donc, avantages pour et contre ces deux systèmes-là. Notamment pour celui-là, celui qui va donner l'infection systémique, quelqu'un peut me donner un avantage? Allez, un avantage et un inconvénient, tout le monde réfléchit sur ça, vous discutez 2 ou 3 minutes avec des voisins. Réfléchissez un petit peu, ok, facilité, sécurité, tout ce qui va avoir, tout ce qui va être, qui va faciliter ou d'être un problème pour ces applications biotechnologie. N'oubliez pas que ça, c'est un virus génétiquement modifié. Ok, je vois que la discussion s'est arrêtée. Alors pour celui-là, un avantage. Oui, pourquoi? Oui, donc ce serait plus efficace parce qu'on a qu'à inoculer une seule feuille sur la plante et puis toute la plante sera infectée. Donc, en termes de rendement, ça va être plus intéressant. Donc là, avantage, inconvénient. Hein? Oh, ça tue la plante, je ne suis pas sûr que c'est grave, parce qu'après, on veut.
On veut la récupérer, de toute façon, on va la tuer. Exact. Donc là, on a un génome entier avec qui code pour un virus qui est capable de se répliquer et de se disséminer au sein de la plante et aussi d'être transmis. Donc là, c'est un agent transmissible, à la limite. Donc il représente un certain risque d'être capable d'être transmis en dehors de la serre ou infecter d'autres plantes. Et on ne peut pas vraiment faire ça, mais même si on pense que la protéine recombinante exprimée n'est pas néfaste, personne ne veut des virus génétiquement modifiés qui vont s'échapper. Or, avec ce système-là, le risque est certainement moindre, parce qu'il n'y a pas de protéines capsides, il peut pas être transmis, la construction ne peut pas être transmise d'une plante à l'autre. Donc c'est moins risqué. Ok, bon, toujours dans la même ligne, alors les questions là, va pas rester longtemps sur ça. Ok. Ok. Ah. Pas de virus ADN chez les plantes. Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison. Aucun virus enveloppé n'affecte les plantes. Qui dit oui? Qui dit non? Oui, vous avez raison, c'est vrai. TWV, on avait dit. Tous les virus des plantes ont besoin d'un vecteur pour la transmission. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, la réponse est non. Il y a certains qui. Transmission verticale ou par les pratiques agricoles. Et D. Certains virus des plantes peuvent également se répliquer chez le vecteur qui les transmet. Je n'ai rien dit, mais qui dit oui? Qui dit non? Oui, c'est oui. Ok. Donc, notamment les. Virus ARN brun moins, les bunyaviridés ou les rhabdoviridés qui sont transmis peuvent se répliquer chez le vecteur, mais ce n'est pas le cas pour tous les virus des plantes. Les géminiviridés ou les virus ARN brun plus avec une capside nue, normalement c'est un portage passif. Okay? Le virus ou le vecteur, l'insecte va aspirer un énorme inoculum de virus, il va aller chez l'autre plante. Le même jour ou le lendemain, il va réinjecter. Mais c'est un portage passif sans vraiment de réplication chez le vecteur. Et donc ça va avoir un lieu, ça va avoir un impact sur combien de temps le vecteur reste capable de transmettre l'infection après avoir mangé sur une plante infectée. Ok. Donc, deuxième exemple de réplication chez les virus des plantes à ARN. Donc, Barley Yellow Mosaic Virus. Encore un virus à ARN brun plus avec une capside nue hélicoïdale. Et celui-ci est transmis par une moisissure, Polymyxa graminis. Alors, le virus semble être associé au spore. Et apparemment, on ne peut pas décontaminer l'intérieur de ces spores. Donc, on a des indications que, quelque part, le virus est vraiment à l'intérieur des conidies ou les spores de Polymyxa graminis. Donc, lors de la germination, de ces spores, le parasite, la moisissure, va envoyer ses hifs à l'intérieur des tissus de la racine de la plante. Okay? Donc ça, c'est une coupe, ça, c'est les cellules de la plante, et ce sont des hifs de Polymyxa graminis. Donc vraiment, le vecteur va apporter des particules virales,
dont à l'intérieur des cellules de la plante. Alors, puisque le virus est bien protégé à l'intérieur des spores de la moisissure, c'est un problème qui peut traîner dans un champ pendant plusieurs années. Okay, donc les moisissures sont là, sont dans le sol, les spores vont rester dans les sols et ils restent très résistants, ils restent infectieux pendant des années. Donc ça, c'est un peu particulier pour une infection chez les virus des plantes. Normalement, okay, si on fait une sorte de campagne de phytosanitation, on a zéro plante infectée. À la limite, on peut cultiver autre chose pendant un an ou 2 ans et il n'y aura plus de problème après parce que l'infection virale est finie. On n'a plus de plantes susceptibles dans la zone qui est cultivée. Pour le BAYMV, non. Okay, le même champ peut rester contaminé pendant des années. Alors, c'est un problème en Europe du Nord et au Japon, et on a des récoltes diminuées. Historiquement, on a reporté des pertes de 40%, 80% de la récolte, jusqu'à 50% de la récolte perdue en Europe. Donc, un champ contaminé ressemble à ça. Ce n'est pas vraiment les nuages qui bloquent le soleil, petites taches de soleil. Ça, c'est les zones de la terre contaminées. Et quand on regarde les pousses ici, on a les feuilles qui sont jaunies chez les pousses de l'orge. Et après, ces plantes-là sont poussives, ne produisent pas beaucoup de graines et c'est une perte au niveau du rendement. Alors, il me semble qu'en Europe et au Japon, on a des semences qui sont génétiquement résistantes. Donc, les céréaliers ou les boîtes qui vendent les semences, les semenciers commercialisent des variétés résistantes, des cultivars résistants. Alors, ça c'est le problème, les potivirus, parce que le BAYMV, c'est un potivirus, sont organisés comme ça. Donc, ce sont des virus avec un génome ARN brun plus. Cette fois-ci, on a un poly-A en 3', protéine virale G, VPG, attachée à l'extrémité 5' de l'ARN génomique. Quand on regarde le génome code pour une polyprotéine, et si on regarde les fonctions des différentes protéines matures, on a protéine de capside, ARN polymérase virale, protéine G, 1, 2, 3 protéases virales et CI, c'est la protéine de mouvement. Donc on a le nécessaire pour un virus ARN chez les plantes, polymérase, protéine de capside, protéine de mouvement. Et on a d'autres choses qui, ma foi, ça vous rappelle quoi là? Rien. C'est rien, c'est pas la bonne réponse. Si on regarde le génome d'un picornavirus, ça ressemble pas mal parce qu'on a la protéine VPG en 5'. On a la production d'une polyprotéine qui sera activée par les protéases virales. Donc il y a des choses qui sont semblables au niveau de l'organisation du cycle de réplication. Quand on regarde bien, il y a une homologie de séquence entre les polymérases ARN chez les picornavirus et chez les potivirus. Il y a une homologie de séquence entre les protéines G, la protéase NLA chez les potivirus est homologue avec la protéase 3C chez les picornas. Et curieusement, la protéine de mouvement, CI, c'est un homologue d'une des protéines non suturales des picornavirus. Donc on a bien l'impression que c'est un petit peu qu'il y a un lien quelque part phylogénétique entre les potivirus et les picornas. Or, ce qui est absolument pas semblable, c'est la suture de la capside. Okay, les picornavirus, ce sont des capsides icosaédriques avec VP1, VP2, VP3, VP4. Mais tout ça, c'est sur la partie 5' du génome. Tandis que protéines des capsides chez les potivirus, ça n'a rien à voir, aucune homologie de séquence. Et aussi, on le retrouve à l'autre bout. Donc, c'est comme si on avait une sorte de recombinaison entre
cette partie-là du génome d'un picornavirus, il perd toutes ses protéines de structure et il récupère une protéine de capside chez un autre virus, ARN brin plus, qui donne une capside hélicoïdale. Mais à cause de cette homologie de séquence et tout ça, vous pouvez m'expliquer le cycle de réplication, stratégie de réplication d'expression des gènes chez le potivirus. Ça va être la même chose qu'un picorne, expression d'une polyprotéine qui vage par une protéase virale. Il me semble qu'il n'y ait pas vraiment d'IRS par contre. Okay, donc ça, c'est le mécanisme d'initiation de la traduction, pas très clair. Okay. Donc assez différent comme stratégie de réplication par rapport au virus de mosaïque du tabac. Donc ça c'est deux exemples de virus ARN. On va faire un exemple pour des virus ADN chez les plantes, des géminiviridés. Assez diverses comme famille de virus. Donc on reconnaît quatre genres de géminiviridés. Un peu nommé après l'espèce type du virus qui a initialement été identifié. Donc, Mastery virus sur le Maestricht virus, Begomovirus, ça c'est pour les haricots, Bean, Golden Mosaic virus, Topocuvius, Tomato, et puis Pocu, je ne sais pas, c'est une sorte de symptôme. Curtovirus, je crois que c'est pour les symptômes, ça c'est curly top et l'infection de je ne sais pas quelle plante. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez les géminiviridés? Donc déjà le nom de la famille, c'est d'après la morphologie très typique des particules virales en microscopie électronique. Donc c'est comme si on avait deux petites particules icosaédriques collées ensemble. Okay. C'est en structure gemellaire. Et c'est vraiment très spécifique au géminivirus. Okay. Donc ça, c'est l'indication. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le génome? On a trois genres qui ont un seul ADN génomique et les begomovirus qui sont bipartites. Donc le génome est composé de deux molécules ADN. Donc chaque molécule d'ADN simple brin circulaire est entre 2,6 à 3 kilobases de longueur. Qu'est-ce qu'on a dans le génome? Ok, on regarde les géminiviridés monopartites d'abord, CP, protéine de capside, MP, protéine de mouvement, et REP, ce qui va être une protéine qui permet la réplication de l'ADN viral. Ce n'est pas une polymérase. C'est un petit peu, en termes d'équivalent, c'est un peu comme l'antigène grand T chez le virus SV40. Il va diriger l'ADN polymérase cellulaire sur l'ADN viral. Et donc, selon le virus, on a un différent nombre de protéines accessoires. Donc, dans tous les cas, capside, protéine de mouvement, réplicase. Alors, chez les begomovirus, qu'est-ce qu'on a? Donc, protéines de capside, réplicase, sont sur l'ADN A. Ici, BC1, c'est le protéine de mouvement. NSP, c'est NSP, c'est pour la sortie nucléaire. J'ai un peu oublié quel était le sigle exact. Ah, Nuclear Shuttle Protein. Okay. Parce que okay, ce sont des virus ADN, donc la réplication a lieu dans le noyau. À un moment donné, l'ADN qui est répliqué doit sortir du noyau. Pour les begomovirus,
Ça, c'est le rôle de la NSP. OK, donc. Ouais. Donc, première étape de la réplication, les particules virales sont livrées dans le cytosol par le vecteur. Donc, tous les géminiviridés ont des vecteurs insectes ou arthropodes. La capside va être importée dans le noyau et on aura la décapsidation. Okay. Va se fixer sur les ports d'entrée nucléaire, décapsidation de l'entrée du noyau. Donc c'est un ADN viral simple brun qui est livré dans le noyau. Donc apparemment, ce sont des enzymes de la cellule hôte qui vont le réparer et former un ADN double brun qui servira comme matrice pour l'expression, pour la transcription des ARN viraux. Donc les protéines virales commenceront à être exprimées à partir de la transcription des ARN messagers viraux. Donc, la protéine des capsides, bon, soit, bah, ouais, je pense qu'il va être intégré dans le noyau, mais en tout cas, la protéine REP va former un dimère qui reconnaît une structure secondaire sur l'ADN double brun, et c'est ça qui va coûter l'ADN polymérase cellulaire. Donc, l'ADN polymérase va commencer à répliquer un brin de l'ADN viral, donc c'est déjà un peu différent par rapport à la réplication de l'ADN cellulaire. On n'a pas une réplication des deux brins de l'ADN matrice. Donc on va déplacer un brin d'ADN circulaire et on va recopier ce brin-là. Donc à la fin d'un cycle de réplication, on a une copie d'ADN double brin et une copie d'ADN simple brin, toujours attaché via la réplicase du virus. Et à la fin, la REP va détacher la copie d'ADN simple brin et la copie d'ADN double brin. Donc l'ADN double brin, bon, il va être recopié. Et l'ADN simple brin, bon, soit va être corrigé ou réparé par les enzymes cellulaires, ou alors sera encapsidé, ou alors va sortir du noyau et va être associé avec les protéines de transport. Attends, je vais dessiner ça parce que c'est un petit peu... Donc, on va avoir, pour les bégomovirus, okay, copies d'ADN simple brun et les copies d'ADN double brun dans le noyau. On aura protéines de capside. Vont être importées. Et on peut avoir l'encapsidation. C'est une possibilité. Et on a la protéine NSP, Nuclear Shuttle Protein, qui peut également entrer dans le noyau. Et cette fois-ci, va permettre l'export de copies d'ADN simple brun. Dans le cytosol, l'ADN sera transféré sur la protéine mouvement
qui va le transporter sur la, dans, chez la, la cellule voisine. Donc c'est ça. Alors, les tailles des génomes des Gemini viridae, c'est très petit, okay, 2,5 à 3, 2,6 à 3 kilobases de longueur. Il y a deux limitations sur la taille des génomes de ces virus. Une, c'est la, la capside, qui est petite, donc il y a peu de place à l'intérieur. L'autre limitation, c'est l'association entre protéines de mouvement et l'ADN génomique. Donc, la protéine de mouvement peut se fixer efficacement sur des ADN simples brins avec une taille minimum de 2 kilobases de longueur. Mais, au-delà de 5 kilobases, le complexe ici est trop gros pour passer les plasmodèses. Donc, on a une limitation sur, le, sur le, la taille maximale du génome. Et ce transport-là est plus efficace pour des génomes ou les complexes protéines de mouvement ADN de 3 kilobases de longueur ou moins. Donc, on a quelque chose qui limite un peu la taille des génomes de ces virus-là. Donc, on n'a pas l'évolution des Gemini viridae vers quelque chose de plus complexe, comme les adenovirus ou les herpesvirus. Alors, les Gemini viridae sont aussi intéressants parce qu'on a une idée un petit peu de leur origine. Ce qui n'est pas le cas pour, le, pour la plupart des virus. Enfin, plupart, ou en tout cas pour de nombreux, nombreuses familles virales. Et donc, la forme du génome et le mécanisme de sa réplication, ça rappelle le mécanisme de réplication de certains plasmides chez les bactéries. Et en fait, la protéine REP est un petit peu comme les protéines de fixation sur des origines utilisées pour la réplication de certaines plasmides bactériens. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé, qui se sont amusés à faire des arbres phylogénétiques avec la protéine REP des Gemini viridae et des homologues exprimés sur différents plasmides bactériens. Et les voisines les plus proches dans l'arbre phylogénétique, ici, là, donc ça c'est un clade indiqué en rouge, sont tous des protéines REP encodées sur des plasmides portés par les phytoplasmes. Donc les phytoplasmes sont des bactéries grand moins, il me semble. Bactéries, en tout cas, qui infectent des plantes, qui poussent dans le phloème, dans le tissu du phloème. Et leurs plasmides sont injectés dans le tissu de la plante et se répliquent au sein des noyaux de la plante infectée. Donc on a une sorte d'origine du génome de Gemini viridae. L'origine serait, ok, un plasmide qui fait partie porté par une bactérie pathogène, injectée dans le noyau de la cellule de la plante, et qui se réplique dans le tissu infecté. Donc ça, c'est une partie de ce que c'est un virus, un génome capable de se répliquer. L'autre partie, c'est la capside. Donc d'où vient la capside? Parce que ce n'est pas codé sur le plasmide de la bactérie. Et cette fois-ci, on regarde les homologies structurales entre les protéines des capsides chez les Gemini viridae et d'autres protéines des capsides virales. Et on trouve une bonne homologie structurale chez cette protéine-là, qui est la protéine des capsides exprimée par un ARN satellite. Tobacco necrosis virus, le virus de la nécrose du tabac, pas le virus lui-même, mais la satellite qui se réplique côte à côte avec le virus. Donc, la capside
vraisemblablement de cet ARN satellite, est à l'origine de la capside des Géminiviridés. Or, ça, cette capside-là, la capside qui est formée par le TMV satellite, va encapsider un ARN satellite de 1,2 kilobases de longueur. Donc, il fait une toute petite particule qui n'est pas assez grand pour encapsider l'ADN des Géminiviridés. D'où la sorte de double structure. Okay? Parce que si on a le capside TMVSAT, c'est comme ça, on peut mettre 1,2 kilobases d'acide nucléique simple brun là-dedans. Donc on a cette modification de la structure qui permet d'encapsider jusqu'à 3 kilobases d'ADN là-dedans. ADN simple brun. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que les Géminiviridés sont vraisemblablement le fruit d'une recombinaison contre la nature entre un plasmide apporté par une bactérie phytopathogène et un gène de capside apporté par un satellite en ARN. Ce qui est vraiment bizarre parce qu'à un moment donné, c'est la séquence codante ici pour le gène de capside. Doit être retranscrit en ADN à un moment donné pour que ça marche. Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc là c'est l'élément qui manque là. Qu'est-ce qui apporte l'ARN, la transcriptase inverse pour le faire? Ça, c'est un peu le mystère là. Donc voilà. OK. Petit topo là. Alors, pour les virus, pour les Géminivirus, qu'est-ce qui est vrai? Ok, protéine REP code pour un ADN polymérase, qui dit oui, qui dit non? Ouais, vous avez raison. La protéine de mouvement permet de transmettre la particule virale entière, qui dit oui, qui dit non? Beaucoup de gens, ils savent pas. La bonne réponse est non. Okay. Donc c'est un complexe entre la protéine de mouvement et l'ADN qui est transmis par les plasmodesmes. Il n'y a pas de modification majeure de la structure des plasmodesmes. Okay? Pour transporter une particule virale entière, il faut que la protéine de mouvement modifie la structure des plasmodesmes. Ce n'est pas le cas. Donc c'est le complexe ADN plus protéine de mouvement qui passe par la capside. Les Géminivirus sont tous transmis par les vecteurs insectes. Qui dit oui? Qui dit non? La réponse est oui. Oui pour ça. Le DNA des bégomévirus peut se disséminer chez la plante infectée, mais ne peut pas former une particule infectieuse. Okay? Donc c'est pour ça que j'ai noté ça. Okay? Ça, c'est l'ADN A, ça, c'est l'ADN B. Et ADN A, REP et capside. B, protéine de mouvement et protéine de navette nucléaire. Okay. Tout le monde est prêt à émettre un avis sur la question D, là?
Continuez à réfléchir, discutez entre vous. Répondez, qui dit oui? Une personne qui ose, qui dit non? À la plupart, moi je pense que c'est non. Hein. Parce que on a la protéine REP, donc l'ADN, ah, tout seul, si l'ADN est dans le noyau, okay, tout seul, la REP il va pouvoir le répliquer, la capside va pouvoir l'encapsider, donc ça donne une particule infectieuse. Tandis que le B tout seul ne peut pas faire grand chose. Il ne peut pas se répliquer, mais il est là, il permet la dissémination locale des deux ADN. Et d'ailleurs, chez les bégomovirus, il y a tout un problème avec les recombinaisons ou les réassortiments avec une ADN A d'un virus et un ADN B d'un autre virus. Quand les deux virus infectent la même plante, on a de nouveaux réassortissants qui sortent. C'est un peu comme le virus de la grippe. Okay, parce qu'on a différents segments génomiques qui peuvent se réassocier. Alors ça m'amène au deuxième point, qui est une différence entre les génomes multipartites et les génomes segmentés. Donc pour le virus de la grippe, le génome est segmenté, c'est-à-dire que okay, chaque segment génomique va coder pour une partie du génome, une protéine distincte, mais chaque particule virale va incorporer tous les différents segments génomiques. C'est ce qu'on avait vu pour la grippe. Et donc on va appeler ça un génome segmenté. Un génome multipartite, dans ce cas-là, chaque particule virale va incorporer une molécule d'ADN ou d'ARN. Donc, et ça, c'est ce qu'on retrouve chez les bégomovirus, ok? Donc on aura l'ADN A, ça va être encapsidé dans une particule, et l'ADN B dans une autre particule, ok? Donc on a vu pour le virus de la grippe, le problème c'est comment assurer qu'on met une copie de chaque segment dans la même particule. Et il y a des régions dans l'ARN qui gèrent, les ARN génomiques qui gèrent ça. Pour les génomes multipartites, l'empaquetage c'est simple, okay, on met une molécule dans chaque particule, ça c'est simple, mais le problème devient, bah, comment on fait pour infecter une cellule hôte avec tous les gènes nécessaires? Et c'est possible pour les virus des plantes, pourquoi? Parce qu'on a un mode de transmission par les vecteurs. Donc souvent avec un portage passif, une petite mouche qui va sucer la sève va aspirer une grande quantité de particules virales. Il va voler sur notre plante, il va injecter, pareil, une grande quantité de particules virales dans la même zone. Donc on va aspirer une quantité phénoménale de virus et on va injecter plein au même endroit. Donc souvent on a plusieurs particules virales qui vont être injectées dans la même cellule lors de ces transmissions par les vecteurs. Et c'est ça qui permet la transmission de virus qui ont un génome multipartite. Donc, voilà, c'est ça. Il faut qu'il y en ait plusieurs particules à injecter en même temps. Donc, c'est fréquent chez les virus des plantes. Donc, c'est le cas pour les bégomovirus. C'est le cas pour certaines famille de virus ARN brun plus. Puis en fait, on peut le voir ici qu'on a les différents segments génomiques qui sont de différentes tailles et du coup, ça fait des particules qui ont différentes longueurs. Okay, donc, mais si on essaie de purifier une particule avec une taille uniforme, ben, on voit que ce n'est pas infectieux parce que ça ne porte pas tout le génome. Il faut toujours la combinaison de différents segments génomiques empaquetés dans des particules distinctes.
Donc c'est le cas pour aussi deux familles de Wiehrs CR1+, pareil, cette fois-ci avec des particules icosaédriques, donc on ne peut pas les distinguer, et les partitivirus, ARN double brin avec un génome multipartite, cette fois-ci transmission verticale uniquement. Et pareil, la transmission verticale assure que l'on a plein de particules virales qui infectent la même cellule. Alors, ça marche chez les virus des plantes parce qu'on a la transmission par les vecteurs. Ça ne marche pas pour les virus comme la grippe parce que, pouf, si j'éternue, je vais créer un aérosol avec très peu de particules virales par gouttelette. Et c'est une gouttelette qui va arriver à infecter quelqu'un. Donc on a pour le virus de la grippe, tout ce qui est transmis par voie aérienne, un système de transmission qui n'est pas cohérent avec ça. Ça ne peut pas fonctionner pour le virus de la grippe, ni pour les adénovirus, ni pour les rhinovirus. Pareil pour les virus qui vont s'infecter, qui vont se transmettre, comme le virus de la poliomyélite. Okay, les selles sont expulsées, le virus va contaminer des eaux usées, mais évidemment, toutes les particules virales vont être dispatchées dans un grand cours d'eau. Donc, la prochaine personne qui sera infectée va boire une particule virale qui va probablement infecter plusieurs particules virales, mais qui vont infecter des cellules différentes. Okay, donc, c'est un peu ça, pour cette raison-là, qu'on a ce type de génome spécifiquement chez les virus des plantes. C'est un peu ça, c'est carrément ça. Et c'est aussi pour cette raison-là, moi j'ai que 10 minutes, il faut aller un peu plus vite là, que l'on a chez les virus des plantes d'autres types de molécules d'ADN ou d'ARN qui se répliquent et qui sont toujours dépendantes de cette co-infection, le forte MOI à chaque cycle de transmission du virus. Donc, ces différentes ARN ou ADN subgénomiques, mais qui sont capables de se répliquer, sont soit des virus défectueux, donc c'est la même chose, on a une homologie de séquence avec le virus qui se réplique, et des formes défectueuses qui, en fait, ne sont pas capables de se répliquer toutes seules, mais sont répliquées par les ARN polymérases virales et sont encapsidées. Donc souvent, chez les virus des plantes, on a une sorte de mélange de génome complet et génome défectueux. À part ça, on a des imbrivirus et des satellites. Cette fois-ci, on n'a pas d'homologie de séquence entre le génome subviral et son virus auxiliaire. Donc, la différence entre les imbrivirus et les satellites, c'est que l'imbrivirus est capable de répliquer son propre ARN. Les satellites sont entièrement dépendants de l'auxiliaire, le virus auxiliaire, pour faire sa réplication, leur réplication. Et donc, ils sont plus petits, okay, donc parce que les imbrivirus ont une ARN polymérase. Donc, c'est pour ça que le génome est plus grand. Ici, 300 demi-nucléotides, si la taille est plus de 1 kilobase, souvent il y a une protéine qui est encodée. Et dernière chose que l'on trouve chez les plantes et pas chez les animaux, ce sont des viroïdes. Petites molécules à ARN simples, brins, circulaires, mais qui sont capables de se répliquer de façon autonome, qui est extrêmement bizarre. Ok, donc, imbrivirus. L'imbrivirus, c'est quoi? C'est un génome viral, mais qui ne code pas pour une capside. Donc, on regarde, on a 1, 2, 3, 4 cadres ouverts de lecture. 1 et 1 plus 2 code pour la polymérase à ARN. Donc l'organisation, c'est un petit peu comme le virus de mosaïque du tabac. On a l'ARN polymérase codé en 5 primes et les autres trucs en 3 primes. Parce que la première chose qui sera traduite lorsque l'ARN arrive dans la cellule hôte, c'est l'ARN polymérase virale qui va faire une copie brin complémentaire de l'ARN génomique. Et à partir de cet ARN génomique, il va soit recopier, non, le brin complémentaire, il va, à partir du brin complémentaire, enfin, soit recopier une autre copie d'ARN génomique qui permettra de réexprimer de la polymérase, ou un ARN subgénomique qui permet d'exprimer les deux autres protéines virales. Une, c'est une protéine de mouvement, donc qui permet la dissémination locale, passage de l'ARN à travers les plasmodesmes.
L'autre, c'est une protéine de dissémination qui va permettre l'infection systémique. Donc, c'est un des rares cas où l'infection systémique n'est pas dépendante de la protéine des capsides. Donc, les arbres-virus peuvent tout faire. Une fois que l'ARN viral arrive dans la cellule hôte, peuvent se répliquer le génome, peuvent assurer une dissémination locale et systémique. Donc, la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est la transmission à une autre plante. Parce que pour ça, il faut l'encapsidation. Et les capsides proviennent d'un autre virus auxiliaire, c'est un lutovirus. Donc, une plante infectée va être infectée partout. Et donc, si le virus auxiliaire arrive n'importe où dans la plante infectée par un arbre-virus, hop, il prend la capside de l'autre virus comme un taxi, quoi. Et puis, il va se transmettre à une autre plante. Donc, pratiquement tout, tout seul. Alors, les satellites sont totalement incapables de se répliquer en l'absence d'un virus auxiliaire. Certaines codent pour des protéines. Et quand il y a une co-infection par le virus satellite et le virus qui est capable de se répliquer, on a souvent une atténuation des symptômes phytopathogènes. Donc, les virus satellites codent pour une protéine des capsides. Donc le TMVSAT, c'est un virus satellite du virus de nécrose du tabac. C'est le satellite qui a donné sa capside pour sa protéine des capsides pour former l'hégémonie virus. Et les ARN satellites codent pour une protéine ou non, mais dans ce cas-là, ne produisent pas de particules de façon autonome. Donc pas de capside. Donc, soit il y a une activité ribosyme qui aide la réplication, ou alors il y a une protéine virale qui va attirer l'ARN polymérase virale de l'ARN du virus helper auxiliaire sur l'ARN du satellite. Et dernière chose, les viroïdes, les objets biologiques les plus bizarres dans toute la biologie. ARN circulaire simple brun, très petit. Qu'est-ce que je veux dire? 200 à 500 nucléotides? 200 à 400 nucléotides peuvent néanmoins se répliquer de façon autonome, enfin, en tout cas en absence de notre co-infection, code pas pour les protéines, et on connaît deux familles, les phosphiviroïdés, ça c'est Potato Spindle Tuber Viroid, et VD c'est pour les viroïdes, et les absunviroïdés, les viroïdes qui ont affecté l'avocat. Donc on les distingue par la structure secondaire que forme l'ARN et par le fait que chez les phosphiviroïdés, leur implication c'est dans le noyau, chez les absunviroïdés, c'est dans le chloroplaste. Alors, ces trucs-là, comment ils se répliquent? Ils utilisent l'ARN polymérase 2 cellulaire, ce qui est totalement bizarre. Normalement, l'ARN pol 2 prend l'ADN double brin comme matrice. Ici, le viroïde arrive à le faire fonctionner sur un ARN double brin, extrêmement bizarre. Et à partir de là, donc, la réplication peut se faire. Les ARN des viroïdes peuvent s'associer avec les protéines de transport des ARN de la plante hôte, et c'est ça qui va permettre la dissémination locale et systémique. Donc ces viroïdes peuvent se transmettre partout chez la plante. Et finalement, certains sont responsables de phytopathologie. Donc le premier, c'était le Potato Spindle Tuber Viroid, et ces symptômes sont illustrés ici. Donc ça, c'est pomme de terre, patate d'une plante non infectée, et ça, c'est chez une plante infectée. Donc on a des tubers en forme de fuseau, donc fusiforme, spindle, okay, c'est un fuseau. Donc on a une modification de la forme et de la taille de la pomme de terre, donc on diminue la récolte. Alors,
Comment est-ce que l'ARN, les viroïdes, modifient la biologie de la plante hôte? Bon, on a détecté les siRNA dérivés de l'ARN des viroïdes chez les plantes infectées. Donc, les protéines Dicer-like chez les plantes qui produisent des petits ARN, les siRNA, vont prendre en charge l'ARN viral, forment des siRNA qui ciblent des ARN de l'hôte. Donc, le viroïde va influencer un petit peu l'expression de protéines chez l'hôte et c'est ça qui est responsable de la phytopathologie. Dernière chose à savoir pour les viroïdes, on a dit tout au début des cours que pour qu'un virus soit infectieux, il faut génome en acide nucléique entouré d'une capside parce que sinon l'ARN ou l'ADN génomique ne va pas survivre très longtemps. C'est vrai, pour les viroïdes, la plupart ont une transmission verticale. Donc, les viroïdes ne sont jamais libres en dehors de la plante hôte, mais il y a quelques cas de transmission par des insectes. Et relativement limité, parce que c'est vrai que l'ARN génomique, enfin le viroïde, est très sensible en dehors de la plante infectée. Ok, donc c'est ça pour les virus des plantes et c'est la fin de la virologie. Donc, à retenir sur les virus des plantes, pas de virus à ADN double brin, les formes subvirales qui sont extrêmement particulières chez les plantes ont un impact sur la phytopathologie. Quand on a un satellite, souvent on a une atténuation de la pathologie des virus. Quand on a des formes multipartites, ça aide à la formation des recombinants qui peuvent être plus ou moins pathogènes, phytopathogènes, et les viroïdes, pareil, peuvent être responsables de phytopathologie. Les épidémies, souvent c'est lié à l'expansion du vecteur qui va permettre de transmettre le virus à différents continents, et aussi cette histoire que souvent c'est la rencontre de nouvelles espèces de plantes qui rencontrent un virus quelconque. Et l'idée que les infections très pathogènes sont liées à un nouveau rencontre virus hôte semble être vrai aussi chez les plantes. Ok, les rôles de protéines mouvement et la capside pour la dissémination systémique. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc pour les TD, il manque des créneaux. Il faut que je pose un ou deux créneaux par un groupe de TD. Donc. Si ce n'est pas fait avant mercredi la semaine prochaine, envoyez-moi des mails pour me rappeler, s'il vous plaît. Okay.